We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un haul ASOS, donc un haul des sols. Je suis désolée, là je suis hyper blanche, il y a deux secondes il y avait du soleil et tout, et le soleil part et revient. Je suis désolée, je filme dans mon salon, donc je sais pas si on va peut-être entendre l'aquarium en bruit de fond. En fait on est jeudi, mais en fait là il est midi 40, genre je pars dans 20 minutes. Je décide de filmer ça maintenant, tout va bien. Donc j'ai pas vraiment fait les soldes, du coup je me suis acheté des petits trucs un peu à la dernière minute, genre j'ai commandé mardi. Et j'ai reçu hier, enfin franchement c'est allé hyper vite, enfin en deux jours vu que j'ai la livraison ASOS première là. Du coup j'ai tout à côté de moi. J'ai encore rien essayé, j'ai juste ouvert hier soir pour voir un peu à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas du tout essayé. Alors, premier truc, c'est de la marque, du coup c'est Pinky, qui coûtait 13,49€ et je l'ai eu à 8,99€. J'ai pris en taille S. Donc c'est un petit haut comme ça, à fleurs, qui est tout transparent. Il y a des petits volants aussi là-haut. Et j'en ai déjà des hauts un peu de ce style qui sont noirs, et je trouve quand vous mettez un beau soutien-gorge en dessous, un petit truc... espèce de petit brassière en dentelle ou quoi, ça rend hyper joli pour une soirée. Ensuite de la marque Monkey, c'était à la base à 20,99€ et je l'ai eu pour 8,99€, donc comment vous dire que ça vaut trop le coup. En taille S, donc j'ai pris une chemise à rayures. Et j'en avais déjà une de chemise à rayures que j'avais acheté chez Bershka, d'une matière hyper fine et tout. Mais alors celle-ci, elle est une matière hyper épaisse, enfin tu vois que c'est de la qualité. Donc voilà, c'est une chemise... toute simple, basique, rayée. J'aime beaucoup de mettre une petite chemise comme ça avec un petit jean taille haute, rentrer à l'intérieur, des petites bottines, des petites baskets et hop, ça fait l'affaire. Ensuite un truc que j'hésite, je sais pas si je veux le renvoyer, mais je me dis que je l'ai eu quand même à 17,99€ au lieu de 60,99€. C'est de la marque New Look Petite. C'est un perfecto comme ça noir en vinyle, mais en fait je m'attendais à ce qu'il fasse plus vinyle. Enfin je trouve qu'il est vachement brillant là en caméra et tout ça, et même sur le site. Et en vrai pas tant que ça, j'ai déjà un perfecto noir, du coup je sais pas. Mais je le trouve joli quand même, enfin, ça change un peu d'un perfecto en simili cuir basique. Mais ouais je sais pas, en tout cas c'est sûr que pour 60€ je l'aurais jamais acheté. Genre il y a des petits fils et c'est un plastique pas de qualité de ouf non plus. Mais voilà, c'est un perfecto tout simple. Et je l'ai pris en taille 34, donc voilà j'hésite encore. Je pense que je vais sûrement le garder, mais je me tâte. Ensuite, toujours de la marque New Look, j'ai pris un pull. C'est quasiment le même que j'ai de chez Bershka que vous avez montré. C'est en chenille de velours, ils appellent ça. Donc c'est genre une matière tellement douce. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi flashy. Franchement, sur le site, je m'attendais un peu moins flashy. J'ai pris en taille S, il est quand même assez large. Et je l'ai eu à 11,49€ au lieu de 25,99€. Donc voilà, un petit pull. Tout simple, et puis en plus je vais aller au ski genre dans deux semaines, du coup je pense que je vais l'emmener parce qu'il a l'air de tenir bien chaud. Ensuite, bah toujours la marque New Look, hein. On continue. C'est celui-ci, mais par contre je comprends pas trop parce que sur l'étiquette c'est... Ah si, c'est écrit New Look, j'avais pas vu. Parce qu'il est écrit sur, en gros, Ali, du coup je pensais que c'était une marque en fait, j'avais pas vu au-dessus, il est écrit New Look Petite. Donc j'ai pris un jean pour 31,99€, celui-ci il n'était pas en sol, je crois que tout le reste n'est plus en sol. Je l'ai pris en taille 34, donc pareil, j'ai pas du tout encore essayé. Donc c'est genre un skinny taille haute, enfin oui si taille haute, il n'y a pas une taille si haute que ça finalement en fait je me dis. Et il a des trous aux genoux, j'en avais déjà un avec des trous aux genoux comme ça, noir, mais il avait une matière hyper épaisse, c'était pas une coupe que je préférais. Je préfère cette coupe là, donc après j'ai pas encore essayé, j'espère qu'il va m'aller, sinon je renverrai. Hein. Ensuite j'ai pris un jean qui change un peu, j'ai pas du tout ce genre de jean, enfin j'en ai un, et encore il est pas aussi mom que ça, donc c'est un jean mom de la marque Pretty Little Things. Je l'ai eu pour 29,99€, donc il est, j'ai pris un jean couleur jean brut, parce que je trouve que ça rend super joli. Donc il est plié au bout, donc je sais pas trop si ça va m'aller parce que c'est vrai que c'est hyper large. Donc à voir. Donc là ils disent que c'est en taille 6, j'ai pris la taille 34 en fait. Et voilà. Il est tout simplement simple. Le soleil qui revient. Ensuite de la marque Bershka, j'avais même pas fait gaffe que c'était Bershka, j'ai pris un jean. J'avais même pas fait gaffe d'ailleurs, ils disent que c'est un jean push-up, mais bon, je trouve que les trucs push-up c'est pas si push-up que ça. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai presque le même, je crois. Ça se trouve, à tous les coups, j'ai commandé un que j'ai déjà.
J'en ai déjà un peu de ce style pareil, la même couleur et tout. Je l'ai pris en taille 34, il coûtait 21,99€. Et voilà comment il est. Mais j'ai l'impression de l'avoir, mais peut-être d'une ancienne collection parce que genre il n'y avait pas ça et tout. Mais je crois que c'est le même avec... Enfin en fait ils disent push-up, c'est parce qu'il y a des lignes comme ça. Et genre ça suit vos fesses quoi. Honnêtement, c'est pas un truc push-up, genre il y a des trucs qui... Y a pas de mousse à l'intérieur ou je ne sais quoi. Hein. Et dernière chose, j'en avais déjà essayé chez Bershka. Je vous avais dit dans un blog, je crois, des jupes en jean. Et en 34, c'était trop petit. Je pouvais quasiment pas fermer le bouton. Ça m'écrasait les fesses comme pas possible. Je pouvais plus respirer. Et en taille 36, c'était trop large à la taille. Donc là, j'ai pris une taille 34. C'est toujours la marque Bershka. Mais je crois que c'est pas la même. Je l'ai payée 21,99€. Elle est pas en solde. Donc je me dis que si elle est pas en solde, il devrait encore avoir du stock si jamais je veux changer de taille. Par contre, elle a l'air assez courte. Et en fait, il y a un effet déchiré en dessous comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas du tout si elle va m'aller et on verra bien quoi. Donc voilà, c'est tout pour ma commande à sauce. J'ai fait une commande aussi chez MyProtein. Je me suis commandé aussi d'autres petits trucs que je vous ai montré dans les vlogs. Notamment, je me suis commandé une Apple Watch. Je suis trop contente. En fait, depuis le temps que je voulais une montre pour le sport, j'ai pris celle-ci, j'ai craqué. Et c'est trop bien de pouvoir connecter avec l'iPhone et tout ça. Franchement, c'est trop cool. J'avais pris quelques trucs aussi chez Undies. Je vous l'ai montré dans un vlog. Je vous mettrai le petit lien du vlog par ici si vous voulez aller voir. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous, vous avez fait les soldes, sur quel site, etc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.